Vous êtes tous les bienvenus. Je vous accueille chaleureusement au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur récompense votre fidélité à être là à tout moment. Père, nous te remercions ce soir pour ta parole qui a jamais nouvelle, jamais fraîche, qui pénètre tous les cœurs. Nous prions que ta bénédiction accompagne ta parole dans toute vie, dans tout cœur, au nom de Jésus. Je prie que ton esprit aille avec la parole et fasse usage de la parole que nous entendons pour que les gens deviennent fermes, restent solides et là où tu as mis chacun de nous et que tu nous gardes en éveil afin que nous écoutions ta parole. Qu'on ne s'endorme pas lorsque tu nous parles. Que la parole de Dieu réveille notre âme, amène le feu au nom de Jésus. Sois glorifié dans chaque vie. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Et que l'Église dise Amen. Merci beaucoup. Nous allons au psaume 24. Je lis verset 3 au verset 4. Psaume 24. Verset 3 dit, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. » Le verset 4 dit, la réponse vient. Ça dit que celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne lie pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Ici, le psalmiste David, le roi d'Israël, posait une question. Il voudrait savoir qu'après ce monde, après la vie, après le séjour sur terre, après le service de l'homme sur terre, après que nous serons en face de Dieu, après la mort ou après l'enlèvement, il dit ici que qui pourra monter à la montagne de l'Éternel qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. N'est-ce pas ce qui doit être votre pensée? Réflexion, parce qu'il n'y a pas, d'homme, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de saint qui viennent dans ce monde et restent pour toujours. Nous ne voulons même pas arrêter dans le monde pour toujours, parce que le monde est comme un désert qui est très terrible et dangereux. Il n'y a personne qui aime vivre dans le désert du monde pour toujours. Nous voulons aller à l'au-delà. Même si nous ne voulons pas aller, un jour, nous quitterons ce monde. Lorsque nous quitterons ce monde, ce doit être notre souci. Où est-ce que je passerai l'éternité? Où est-ce que vous passerez l'éternité? C'est pourquoi la question est très importante. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera, qui restera, qui demeurera en permanence, éternellement dans le... à la montagne de l'Éternel. Il dit, qui ira au ciel? Quelles sont les qualifications? Qu'est-ce que Dieu va considérer afin de nous faire aller au ciel? Et la réponse provient du Seigneur. Celui qui a les mains innocentes. Alors, ceux qui ont les mains impures, ceux qui ont les lèvres impures, comme Esaïe l'a dit, que malheur à moi, parce que je suis un homme aux lèvres impures, je demeure au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Ceux qui ont les lèvres impures, ceux qui ont les paroles impures, ceux qui ont le caractère impur, ceux qui ont le comportement impur, ceux qui ont le secret impur, ils n'iront pas là-bas. Mais les gens qui viennent par Christ, le Sauveur, celui qui nous purifie, celui qui nous lave, celui qui nous nettoie, de toute injustice, celui, alors ayant passé par la provision de Calvaire, celui-là a passé par la purification du sang de l'agneau. Il a les mains pures, les mains innocentes, le caractère pur, le comportement pur, la manière pure. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, l'un et l'autre. L'expression extérieure de notre salut. Nous avons les mains innocentes. L'expression extérieure de ce que nous voyons dans notre comportement. Nous avons le caractère pur. L'expression extérieure de ce que nous voyons au quotidien. Les choses que nous faisons, que les autres voient.
ce que nous faisons au cours de la journée, le comportement, le style de vie, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Oui, le contraire de pur, c'est impur. Si le cœur est impur, rappelez-vous, le corps sera enseveli après la mort. L'esprit et l'âme iront vers Dieu pour rendre compte de tout ce qu'on a fait. Au fait, c'est le cœur qui est la source de notre vie. Et c'est ce qui vient au cœur, la méditation du cœur, ce que nous ferons, que nous faisons avec le cœur, c'est ce qui détermine tout ce que nous faisons. Le cœur est la source de tout acte, c'est la source de tout langage, de tout comportement, de tout ce que nous faisons, le cœur pur. Si le cœur est encore comme le corps à l'état original, le péché inné est là. Si le cœur là reste toujours dépravé, impur, non saint et est désagréable devant Dieu, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Et puis, il y a quelque chose. La personne qui a les mains innocentes et le cœur pur, il y a quelque chose qu'il ne fera pas. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Qui sont les gens qui jurent pour tromper? Ils font quelque chose et ils savent que c'est mauvais. Et que je jure Dieu. Et il dit que je te jure que ceci est ainsi. Et chaque fois, et on ne doit pas jurer. Si réellement on dit la vérité va se déclarer. Pour les gens qui jurent pour tromper, ils jurent faussement, ils jurent pour que Dieu soit témoin de ce qui n'est pas vrai. Ces gens vraiment ne se sont pas connectés à Dieu. Qui sont les gens qui vont demeurer à la montagne du Seigneur et demeurer dans son lieu saint? Ce sont les gens qui ont les mains innocentes, les gens qui ont le cœur pur, les gens qui ne lient pas, leur âme au mensonge et qui ne jurent pas pour tromper. Nous allons voir le message ce soir qui est les mains et le cœur des saints en route pour le ciel. Nous sommes en route pour le ciel, nous voulons aller au ciel et nous voulons savoir que si quelqu'un nous dit comment être riche, comment être très nanti, si quelqu'un nous dit comment avoir la bonne santé, comment on va se fâcher si quelqu'un nous dit la voie d'aller au ciel. Les qualifications pour être devant le Seigneur, en présence du Seigneur pour toujours. S'il y a une joie que nous avons, c'est que quelqu'un s'intéresse assez à nous dire que voici le chemin vers le ciel. S'il y a un intérêt que nous avons, ce doit être la personne qui dit, regardez la provision que Dieu a faite, regardez la provision que Christ a faite, regardez le sacrifice que Christ a fait et qui nous donne des avantages, ce qui nous fait aller au ciel. Alors, nous sommes heureux d'être membres d'une église où on peut nous dire que voici le chemin. Nous sommes très fortunés, chanceux que nous avons un dirigeant, un enseignant, un pasteur, un berger qui peut dire, regardez la parole de Dieu, lisons cela ensemble, sondons la parole ensemble. Alors, tirons profit de la parole ensemble, voici le chemin vers le ciel, au ciel. C'est pourquoi nous parlons de ce sujet très important, les mains et le cœur des saints en route pour le ciel. Nous allons voir trois points. Premier point, les mains corrompues et les cœurs pervers des pécheurs résolus pour l'enfer. Il y a des pécheurs qui sont en route pour l'enfer et ils sont résolus, ils voudraient tout faire pour aller en enfer. Et ils voudraient aller en enfer trop tôt. Ils sont décidés, déterminés, que le lieu là, qu'ils disent qu'il y a un enfer, alors ils s'empressent d'y aller. Oui, comment vivent-ils? Comment se comportent-ils? Les mains corrompues et les cœurs pervers, des pécheurs résolus pour l'enfer. Deuxième point, les mains pures et les cœurs purs des saints
en route pour le ciel. Il y a des gens de la première jeunesse, on entendait parler du ciel, ouais, qu'on soit né de nouveau pas, mais il y a des prédicateurs et qui ont parlé du ciel, ils ont chanté du ciel, ils ont parlé des anges et la beauté du ciel et la gloire du ciel. Et nous avons dit, ah, c'est là que je veux aller, c'est là que je veux passer l'éternité. Mais ils ne nous ont pas dit comment nous devons nous comporter afin de pouvoir aller à ce lieu. Deuxième point, les mains pures ou les mains innocentes et les cœurs purs des saints en route pour le ciel. Trois, les mains consacrées. Alors, je ne veux pas aller là-bas tout seul, je veux aller là-bas avec d'autres personnes. Donc, nos mains, nos compétences, notre énergie, tout ce que nous avons, nous consacrons tout au Seigneur afin de pouvoir toucher cette vie, transformer l'autre vie, amener celui-là et disons, allons ensemble. Alors, nous consacrons tout au Seigneur afin de pouvoir emporter des gens au ciel. Troisième point, nous allons voir les mains consacrées et les cœurs persévérants des serviteurs annonciateurs. Alors, ceux qui viennent annoncer l'avènement du Seigneur, des mains consacrées et les cœurs persévérants des serviteurs annonciateurs. Numéro 1, nous allons voir les mains corrompues et les cœurs pervers des pécheurs résolus pour l'enfer. Nous allons voir Psaume 26, verset 9 dit, « N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang. » Verset 10 dit, « Dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. » Ces gens sont des gens décidés pour l'enfer. Ils ont entendu que voici la voie de la perdition, c'est ce qu'ils veulent. Voici la voie pour l'enfer, mais il emprunte ce chemin-là. Esaïe 33, verset 14. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. On n'aurait même pas pensé aux pécheurs en enfer, aux pécheurs à Sion. La Sion, la ville parfaite, merveilleuse de notre Dieu. Cependant, il y a des pécheurs à Sion. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Nous allons voir trois sous-titres ici. Numéro un, nous allons voir ici la description des mains corrompues et abominables. 2. Le discernement des mains qui contrôlent en cachette. 2. La damnation des cœurs condamnés et diaboliques. Voilà la première partie là-bas. Nous allons voir ici la description des mains corrompues et abominables. Des mains corrompues et abominables. Esaïe 1, verset 15 dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Pourquoi? Vos mains sont pleines de sang. Ils sont des religieux. Ils étendent les mains en prière devant Dieu et adorent Dieu. Ils font beaucoup de prières. Cependant, Dieu a dit que je ne vais pas écouter parce que leurs mains sont pleines de sang. Leurs mains sont pleines de sang. Le meurtre, l'homicide, ils tuent les autres, peut-être, ils prennent les autres là comme, ils prennent les autres pour compétiteurs, ennemis. Si vous tuez quelqu'un que Dieu a créé, votre main est pleine de sang. Les gens qui disent que je n'espère pas cet enfant, qu'est-ce que je vais faire avec ce bébé-là? Ils décident d'avorter. Et ce petit tue le petit, le bébé, leurs mains sont pleines de sang, ils sont mauvais. Le verset 16 dit, lavez-vous, purifiez-vous, parce que Dieu exige
que vos mains soient pures. Alors, qu'est-ce que vos mains font? Qu'est-ce que vos mains pratiquent? Qu'est-ce que vous touchez? Qu'est-ce que vous appuyez? Qu'est-ce que vous attirez? Qu'est-ce que vous amenez? Que Dieu vous regarde et dit que vos mains sont impures. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Nous avons Ésaïe 59, verset 2 dit, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » 3 dit, « Car vos mains sont souillées de sang. » La souillure salit nos mains. Tout ce qu'on fait, tout ce que vous faites qui souille vos mains, qui rendent votre vie souillée, sale, et rendent tout ce que vous faites, qui rend votre langage sale quand vous venez. Et les gens ne sont pas assez audacieux pour vous confronter, mais ils vont dire, ah, elle vient encore avec ses paroles sales. Elle vient. Vraisemblablement, elle va encore dire quelque chose de sale. Dès qu'il vient, ce qu'il nous dit, ce qu'elle nous dit, nous rend sale. Alors, on désire aller encore se laver. Alors, il ôte. Alors, pour ôter ces paroles-là, ça nous prend beaucoup de temps. Le comportement, le langage corporel, l'habillement, tout cela nous salit. Alors, et vos mains, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Ce sont les gens que quand les gens sont pareils, ils doivent aller au calvaire avant de pouvoir aller au ciel. Ils doivent passer par le chemin de la croix afin de confesser tous ses péchés et amener tout au pied de la croix, être lavé, purifié et avoir les mains pures avant de pouvoir à continuer. Michée 7, verset 3 qui dit, leurs mains sont habiles à faire le mal. Ce sont les gens résolus pour l'enfer, ils font le mal, ils sont habiles à faire le mal. Il y a des gens qui peuvent faire quelque chose d'une main, mais vont dire que ceci doit être fait. Et cette iniquité, cette impiété doit être faite par les deux mains. Et cette impureté, les gens font cela avec détermination et avec consécration. Ils mettent tout leur cerveau, tout leur esprit pour faire ce mal afin de pouvoir propager le mal. Et dit, leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Le grand manifeste son avidité. Et ils font ainsi cause commune. Le verset 4 dit, le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Éphésiens au chapitre 4, 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Les païens, ils ont les mains impures. Soit ils incendient la maison d'autrui, ou bien ils détruisent les mains, les biens de quelqu'un par les mains. Soit il suit la fille de quelqu'un par les mains, soit il suit la femme d'autrui, c'est par leurs mains, ou bien ils prennent la corruption, ou bien
il utilise un jeu, il joue un, il s'engage à un jeu, il utilise leur éducation, leurs choses, leurs connaissances pour faire le mal. Ils ont les mains impures. Ils font des choses licencieuses, le mal. Nous allons voir deuxième partie ici. C'est le discernement des mains qui contrôlent en cachette. Le discernement des mains qui contrôlent en cachette. Comprenez? En cachette. Lorsque quelque chose cache la main et quelqu'un, la personne se cache, ça lui fait le mal. Et Dieu comprend que tu caches tes mains, mais c'est toi qui fais le mal. Tu caches ton visage, mais avec tes mains, tu empruntes la main de truc pour faire le mal. Deuxième Samuel 14, 19. Le roi dit alors, la main de Joab n'est-elle pas avec toi dans tout ceci? Joab n'était pas là. Joab, physiquement, n'était pas là. Il était un stratège mauvais. Il voudrait que quelqu'un aille parler au roi et lui dise comme si ce que la dame disait là était de son cœur. La main de Joab n'était pas vue, c'était caché. Mais lorsque la femme est allée raconter son histoire pour contrôler la décision du roi, le roi a vu cela. Le roi dit alors, la main de Joab n'est-elle pas avec toi? Dans tout ceci, et la femme répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi mon Seigneur, il n'y a rien à droite ni à gauche de tout ce que dit mon Seigneur, le roi. C'est en effet ton serviteur Joab qui m'a donné des ordres et qui a mis dans la bouche de ta servante toutes ces paroles. Voyez, ouais. Lorsque vous ne voulez pas faire quelque chose directement, alors vous ne pouvez pas faire la chose là. Parce que les circonstances ne vous permettent pas de faire cela. Et toi-même, comment tu peux dire cela? Parce que comment tu peux faire ça? Comment tu peux emprunter cette voie? Et puis, mais tu veux que le mal là soit perpétré? Faut pas me citer, faut pas mentionner mon nom, faut pas leur dire que je t'ai envoyé. Mais tu sais, va vers lui, va vers elle, et puis parle, dis, alors construis la phrase de cette manière. Cela va le séduire, cela va le flatter, cela va le secouer, et puis la personne vient, et puis apporte la parole de séduction, la parole qui met le monde sens dessus, et les choses qui nous contrôlent et nous envoient, et on t'envoie faire quelque chose de mauvais, et tu es derrière, et c'est toi qui commandites tout cela. Tes mains ne sont pas pures. La personne qui est devenu le messager, la messagère, l'homme messager, la femme messagère pour le projet inique, la personne aussi sera condamnée par le Seigneur. Mais le Seigneur saura que oui, c'est toi qui es la main qui téléguide l'action qui conduit au mal. Voyons chapitre 11, verset 14. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Vous connaissez bien l'histoire. Ce David avait une affaire illicite, inacceptable avec la femme d'Uri. La femme d'Uri maintenant est enceinte. Elle est toujours à l'état
d'être fécondes, il y a des gens qui ont dépassé l'âge. Mais ces gens-ci font le mal. Dans le cas de David, Bathsheba était enceinte, mais la chose va se montrer. On a dit ce que David a fait. Il a écrit une lettre et elle a remise à Uri, le mari de Bathsheba. Verset 15, il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » La main physique de David n'avait pas tué Uri, mais il a envoyé une lettre écrite par lui-même. Et Uri, voyant David qui paraissait innocente, qui paraissait innocent, un dirigeant, mais qui a le contrôle de la guerre. Et Uri et Joab a reçu la lettre. Voyons chapitre 12, verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Voyons le verset 10. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Finalement, alors tout est remis entre les mains de David. Ouais, Dieu sait ce que vous faites, il sait ce que vous complotez, Dieu sait ce que vous concevez, le mal que vous faites, vous pourrez le faire en passant par quelqu'un d'autre, vous pouvez faire cela par la main d'autrui, mais Dieu dit, je t'ai vu, je l'ai vu, tu ne peux pas le cacher, tu n'as pas les mains innocentes, tu n'es pas prêt pour le ciel, et tu fais quelque chose de cette manière, tu utilises les gens à faire le mal, tu utilises les gens à mentir, tu utilises les gens à fabriquer des histoires pour détruire le temple, l'assemblée du peuple de Dieu. Tes mains ne sont pas pures. Dieu veut que nous menions une vie, qu'on sache que nos mains sont pures. Mais nous ne faisons rien directement, nous ne faisons pas le mal, nous ne faisons rien de mal et on ne cache pas la main pour utiliser les gens, à les envoyer comme pécheurs, qu'ils aillent faire le mal, qu'ils aillent dire quelque chose de mauvais. Voyons, acte 2. Acte des apôtres, chapitre 2, 23. Cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Ici, Pierre prêchait aux gens à Jérusalem au jour de la Pentecôte. Il a dit que par les iniquités, ouais, la main des impies, la main des gens qui ont crucifié Jésus. Mais vous êtes responsable de cela. Vous en êtes responsable. C'est vous qui êtes responsable de tuer le Christ. Et le verset 36 dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Ils ne sont pas allés en personne prendre le clou, soulever le marteau et frapper pour crucifier Christ. Ils l'ont fait par l'intermédiaire des autres, ils l'ont fait par la main des autres, mais il dit que vous l'avez fait, alors vous comprenez. Et ils ont compris, ils ont accepté qu'ils ont utilisé les autres, les mains des autres, mais
ils étaient responsables de la crucifixion. Le 37 dit, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ouais, nous sommes coupables, nous sommes convaincus, que ferons-nous? Alors on leur a dit de se repentir. La troisième partie, si nous allons voir ici la damnation des cœurs condamnés et diaboliques. La damnation des cœurs condamnés et diaboliques. On va à Jérémie 17, 9. Jérémie 17, 9. Le cœur est tortueux par dessus tout. Je le ferai et puis je ne serai pas retrouvé. Votre cœur vous séduit. C'est un cœur mauvais, un cœur impur. Si je ne serai pas pris, si je ne serai pas retrouvé, si je ne serai pas découvert, donc je peux le faire. Tu n'as pas réellement une âme convertie. Tu n'as pas le véritable salut. Si tout ce qui fait ton souci, c'est qu'ils ne vont pas savoir que c'est moi qui l'ai fait, alors je vais me cacher quelque part et je vais téléguider, contrôler toutes les choses mauvaises qui se produisent. Et dès qu'on ne me retrouve pas, que c'est moi, et je vais échapper au jugement des hommes. Vous ne croyez pas en Dieu. Dieu n'est pas dans vos pensées. Vous ne pensez pas que Dieu voit tout acte. Dieu voit l'homme, la femme, derrière le rideau. Non, vous ne pensez pas ça. Vous ne croyez pas réellement en Dieu. Vous croyez en Dieu comme les pharisiens. Vous croyez en Dieu comme les sadduciens. Vous croyez en Dieu comme les pécheurs inconvertis dans la société. Mais le vrai sens est de croire que Dieu est partout, Dieu voit tout, Dieu connaît tout, Dieu va tout juger, va juger toutes choses mauvaises. Cela, vous n'y croyez pas. Le cœur est tortueux, pas déçu tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Le verset 10 dit, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » C'est pourquoi Ésaïe 5, Ésaïe chapitre 5, verset 4 dit, « Qu'avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons fruits, en a-t-elle produit de mauvais? Que tout ce que je devais faire, je l'ai fait pour le monde. Dieu a envoyé Jésus-Christ. Il a mené une vie parfaite et exemplaire. Il est allé à la croix, il était mort pour nous. Il dit que quiconque veut qu'il vienne, il dit quiconque vient, que je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Nous avons l'opportunité, le privilège d'avoir les mains innocentes, les mains pures au calvaire de Christ. Il peut purifier, il peut pardonner, il peut laver, il peut transformer, changer notre vie. Qu'est-ce que Dieu peut faire qu'il n'a pas fait pour notre salut? Et puis, il peut purifier notre cœur, il peut nous laver pour nous nettoyer, il peut nous sanctifier, il peut nous faire vivre la vie qui est, mener la vie qui est acceptable à lui. Est-ce que nous sommes intéressés à mener la vie là, ou bien nous sommes intéressés à faire le mal, et que nous sommes vendus à faire le mal, que nous ne voulons même pas aller au calvaire? Dieu dit, qu'est-ce que je dois faire que je n'ai pas fait pour mon peuple? Voyons le verset 13 qui dit, c'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif, sa noblesse mourra de faim, et sa multitude sera desséchée par la soif. Le verset 18 dit, malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice. Alors, il est portrait sur comme
ils sont ici, ils sont assis ici, ils se sont positionnés ici. Et c'est comme ils n'ont pas la chance d'aller commettre l'iniquité dehors là-bas. Ils restent ici et adoptent des stratégies et ils s'attirent l'iniquité. Et du malheur à ceux qui tirent l'iniquité vers les cordes du vice et le péché comme les traits d'un char. Osée chapitre 7, verset 2. Ils ne se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Ils ne pensent pas qu'il y a Dieu. Il y a des gens qui lisent la parole de Dieu, étudient la parole, écoutent la parole. Mais quand il s'agit de l'action pratique, ils ne pensent pas qu'il y a Dieu. Ils mènent leur vie, ils se souillent les mains comme d'habitude. Et ils se souillent et ils suivent leurs pensées. Alors comme ils le font d'habitude, ils ne pensent pas qu'il y a Dieu. Ils ne se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Maintenant, leurs œuvres les entourent. Elles sont devant ma face. Nous allons Matthieu 23, 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Est-ce que vous aimez tel que Jésus agit sans séduire personne dans la prédication? Voyez comment Jésus, la personnification de la parole, il ne parle pas indirectement, il ne mâche pas les mots, il ne dit pas les choses pour cacher. Non, il veut qu'il aille au ciel. Il veut qu'il ait les mains innocentes, les mains pures et le cœur pur. Il veut qu'ils reconnaissent qu'ils ont tort. Il a dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Voilà le verset 28. 28 dit, vous de même, au dehors vous paraissez juste aux hommes. Vous rappelez Judas Iscariot? Seul Christ savait qu'il n'avait pas les mains innocentes et le cœur pur. Les autres disciples, ils croyaient que nous sommes les mêmes. J'ai sauvé, il est sauvé. Nous sommes sanctifiés, il est sanctifié. Alors, c'est comme ils avaient les mêmes responsabilités. Ils sont envoyés, Pierre, Jean, Jacques, Matthieu, comme ils ont guéri les malades. Regardez, Judas Iscariot aussi utilisait le nom de Jésus et guérissait les malades et tous de retour. Alors, ce n'est pas que les autres on fait le travail à succès, mais pas Judas. Non, personne ne l'a détecté. Mais Jésus a dit, Judas, que ce que tu fais là, fais-le rapidement. Mais rappelle-toi, il est mieux que le Fils de Dieu ira selon ce qui est arrêté. Mais malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera livré, trahi. Et les autres ne pouvaient même pas deviner que c'était Judas Iscariot. Vous savez quoi? Parce qu'il a perfectionné ses manœuvres. Il a perfectionné l'usage de ses mains. Allez vers les pharisiens et dire que, mais qu'allez-vous me donner? Je vais le trahir. Je vais vous le livrer. Et aucun des autres disciples ne pouvait qu'il projetait quelque chose de mauvais. Mais que profiterait-il? Que profiterait-il à un Judas, un hypocrite, un rétrograde, de gagner le monde entier et perdre son âme? Et que c'est dit. Et parce que vous paraissez
parce que vous nettoyez les doigts de la coupe et du plat qu'au dedans. Voilà le verset 33. Serpent, rase sa crasse de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Le châtiment de l'enfer pour le cœur condamné. Nous allons au deuxième point. Et avec les mains pures ou innocentes, alors on a visité le calvaire. Nous sommes restés par la foi, la confession, sous le sang de l'agneau. Et il nous a lavé, il nous a purifié, il nous a transformé, il nous a purifié, il nous a sanctifié. Nous avons les mains innocentes, les mains pures et les cœurs purs. Les mains pures et les cœurs purs des saints en route pour le ciel. Lorsque vous êtes réellement né de nouveau et vous avez entendu parler du ciel, alors vous êtes lent à faire ce que vous faites. Vous n'êtes pas si vite. Rappelez-vous ce qu'on nous a enseigné à l'école. Vous regardez avant de bondir, avant de sauter. Lorsque vous êtes né de nouveau, lorsque vous naissez de nouveau, vous posez la question, mais il ne faut pas être trop précipité. Le temps est là. Quelle sera la conséquence de ceci si je fais ça? Quelle sera l'interprétation de ceci devant le Seigneur si je fais ça? Quelle sera la conséquence de ceci si je touche cela, si je bois cela, si je mets ça dans ma bouche, si je cache cela? Quelle sera les répercussions de ceci au dernier jour de ma vie si je fais ça maintenant et que cela est enregistré? Alors, je dis comme, puisque les gens ne savent pas, comme ils ne voient pas, je peux. Non, tu ne peux pas. Si tu penses à l'affaire du ciel, maintenant, nous qui sommes réellement convertis des années passées, avant de faire quelque chose, on se pose la question. Est-ce que je veux faire face à la possibilité de faire la restitution sur ceci? Et puis le plaisir, le gain que je tire de ceci, si je fais ça maintenant, est-ce que je pense à la restitution nécessaire que je dois faire après? Puis on voit, car le coût est trop élevé, fais la restitution, je n'ai pas fait la restitution sur ceci, donc je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le manger, je ne vais pas le fumer, je ne vais pas assimiler ça. Je ne vais pas faire ça. Est-ce que je peux faire face? Est-ce que je peux, au dernier jour, dire ceci? Ou bien je vais permettre à ceci de détruire ma vie, détruire mon opportunité d'aller au ciel? On se pose la question avant de faire des choses. Nous qui sommes réellement nés de nouveau des années passées, à cause de cela, nous nous efforçons par sa grâce, par son soutien, par le discernement. On décide de ne rien faire et qu'on ne sera pas en mesure de corriger. On doit corriger la chose là avant de quitter ce monde et passer à l'autre bord. Parce que on ne veut pas rencontrer la chose là au jugement du grand trône, au jugement du grand trône blanc. Parce que nous voulons que la parole de Jésus, le sang de Jésus me lave, me rende pur. On a vu deuxième point, les mains pures et les cœurs purs des saints en route pour le ciel. Matthieu, chapitre 5, verset 8 qui dit, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Nous allons voir trois points ici. Premier point ici, les mains pures des âmes en route pour le ciel. Deux, le cœur pur des saints célestes. Trois, la sainteté véritablement confirmé avec la fermeté qui conduit vers le ciel. Nous allons voir la première partie ici. Les mains pures des âmes en route pour le ciel. Voyons, Job 17, 9. Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Au fil des temps,
Comme le temps passe, les défis auxquels on est confronté deviennent plus grands. Les tentations confrontées deviennent plus traumatisantes. Lorsqu'on était jeune, on avait les mains pures devant le Seigneur. Les tentations viennent. Ce sont les tentations initiales, pas de grandes tentations. On pouvait les vaincre. On a gardé les mains pures. Au fil des temps, les tentations, les défis deviennent très grands, les menaces très grandes, les choses deviennent très attrayantes et plusieurs personnes s'affaiblissent comme ils parcourent la vie, comme ils font face à beaucoup de défis, comme on vieillit, beaucoup de personnes deviennent peureux et les choses auxquelles on faisait face dans la vie, on ne peut plus confronter ça. Il y a beaucoup de menaces. Les gens, la douleur de faire face à, de défier, de résister à ces tentateurs, maintenant on a les mains basses. Le Dieu qui nous a aidés les premières années est toujours là. Le Christ qui vivait en nous est toujours là. Il vit plus grand, plus que tout le monde dans le monde. Et les justes qui sont justes par la foi, ceux qui sont justes par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, alors il continue. Et celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Amen. Vous serez de plus en plus fort au nom de Jésus. Mais nous devons comprendre. Oui, on a vaincu avec les mains pures, le cœur courageux, ces premières années, parce que dans votre salut en tant que jeune, vous étiez fort, plus que le tentateur, vous étiez fort, plus que les gens qui vous invitent à faire quelque chose d'insensé, quelque chose de sale, quelque chose de charnel. Mais maintenant, tous ces gens-là qui vous ont tenté en ce temps-là, et les choses qui vous attirez en ce temps-là, que vous avez surmonté, et les gens qui vous tentent aujourd'hui, les gens qui vous attirent, qui vous taquinent aujourd'hui, oui, étaient plus forts que les tentateurs et tentatrices du passé. Si vous êtes resté au même niveau d'engagement, vous êtes resté au même niveau de force, ils vont te vaincre. Mais si les ennemis d'aujourd'hui, les tentateurs, les tentatrices d'aujourd'hui, si les situations d'aujourd'hui sont plus élevées, sont plus grandes, sont plus élevées que le passé, et vous aussi, vous restez devant le Seigneur, parce que ceux qui espèrent l'Éternel renouvellent leur force, vous devenez plus fort que les années passées, quelle que soit la force que l'ennemi, que les tentateurs ont, alors vous serez en haut, vous serez au-dessus d'eux. Je serai toujours au-dessus d'eux. S'ils vous rabaissent, vous n'êtes pas aussi fort que vous le deviez. S'ils vous déstabilisent, vous n'êtes pas aussi fort que vous le devez. Si vous dites que, oui, je suis fort, comme je l'étais 20 ans passé, cela ne peut pas vous aider. Vous devez être plus fort que vous ne l'étiez. Alors, pour que vous ayez votre victoire, vous allez garder la victoire. Allons à la deuxième partie ici. Le cœur pur des saints célestes. Le cœur pur des saints célestes. Acte 15. Acte 15, verset 9. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Devant Dieu, il ne met aucune différence entre vous et Enoch. Oui, la grâce qu'il a donnée à Enoch, il vous la donne. Alors, entre
entre vous et Daniel, il n'a fait aucune différence entre vous et Sadrach, Meshach et Abednego. La même grâce qu'il a donnée, la même force qu'il leur a donnée, la même fortitude qu'il leur a donnée. Alors, il veut vous l'offrir. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Pierre, il n'a fait aucune différence entre Pierre et Corneille. Il n'a mis aucune différence entre vous et Pierre et Paul et Silas. La grâce de Dieu est toujours débordante. La puissance de Dieu est toujours disponible. Ils ont vaincu en leur temps et ils ont maintenu ce cœur purifié, le cœur pur. Vous le ferez. Vous le pouvez. Le Seigneur ne va pas diminuer la grâce, diminuer la promesse parce que c'est vous qui demandez. Non, il n'y a pas de différence. Dieu les a sanctifiés. Il nous sanctifie. Il les a purifiés. Il nous purifie. Alors, il les a préservés et il nous préserve aussi au nom de Jésus-Christ. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Par la foi. C'est la seule manière qu'il fait cela. Il a fait pour Enoch par la foi, Abraham par la foi, Samuel par la foi, Daniel par la foi, Sadrach, Meshach et Abednego par la foi. Et cette foi est toujours ce qui est requis aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Oui, ils croient que Dieu va les préserver de la pollution du pays. Et si vous croyez que le Seigneur vous préservera de la pollution, de la souillure, de l'abomination du pays, alors il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Il le fera pour chacun de nous. Voyons. Deuxième Timothée 2, 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, c'est ça, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Le verset 22 dit, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice. » Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Le Seigneur leur a donné la pureté de cœur. Il l'accordera à chacun de nous. 1 Pierre 1, 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite. La conduite le jour, la conduite la nuit, la conduite dans la famille, la conduite en dehors de la famille. La conduite avec les croyants, la conduite avec les non-croyants, que vous faites parce que Dieu écoute toute conversation et Dieu regarde toute conduite. Dieu voit ce qui se fait en public et en privé. Et puisque celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, verset 16, vous serez saint car je suis saint. Avez-vous jamais pensé à cela? Vous serez saint car je suis à la vie profonde? Non. Vous serez saint car si ma femme l'apprend que j'ai cette relation-là avec la femme-là, ma femme serait blessée. Donc, ma femme a l'hypertension. Je ne veux pas qu'elle ait une crise. Non. Vous serez saint car je suis saint. D'une nation à une nation, Dieu demeure le même. Je suis saint. D'une dénomination à une autre dénomination, Dieu est le même. Je suis saint.
en privé, en public, Dieu est le même, car je suis saint. La raison pour laquelle nous avons l'expérience de la sainteté, cela va déterminer si réellement nous allons garder l'expérience de la sainteté ou pas. Je dois être saint. Pourquoi? Parce que je dois travailler à l'église. Et s'il n'y a pas l'occasion de travailler à l'église, je veux être saint parce que je veux que les gens apprécient mon style de vie. Et si après vous être devenu saint et que les gens ne vous apprécient pas, qu'allez-vous faire? Nous devons avoir la bonne raison. Il dit, vous serez saint car je suis saint. Dieu est saint. Même si personne sur terre ne voit ce que je fais, je dois toujours être saint. Parce que Dieu est saint. Et si nous irons aller au ciel, vivre avec Dieu au ciel, c'est pourquoi nous devons être saints. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et dit, vous serez saints, car je suis saint. Le verset 22 dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Si vous aimez quelqu'un avec un cœur impur, ce n'est pas l'amour, ça c'est la convoitise. Si vous aimez quelqu'un pour un motif ultérieur, ce n'est pas l'amour, c'est l'hypocrisie. Si vous aimez quelqu'un et non d'un cœur purifié, je ne demande rien ici, je ne cherche rien, je ne cherche aucun gain ici, je ne cherche rien de gain, seulement j'obéis à Dieu. Mais j'aime les frères, j'aime les sœurs d'un cœur pur. S'il y a un motif caché, s'il y a un motif impur, s'il y a un gain illicite qu'on cherche, s'il y a un plaisir unique, pécheur qu'on cherche, et on manifeste l'amour, Dieu comprend le motif. Et devant Dieu, cela n'est pas l'amour céleste, pieux. Mais d'ici que, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Nous allons maintenant à la troisième partie ici. Nous allons voir si la sainteté véritablement confirmée avec la fermeté qui conduit vers le ciel. La fermeté qui conduit vers le ciel. On va au Éphésiens 4. Éphésiens 4, 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Que produit la vérité? Il y a une fausse sainteté. Il y a une sainteté dans l'hypocrisie. Il y a des saintetés. Il y a la sainteté superficielle qu'on démontre aux yeux des gens pour qu'ils disent que ah, cette personne est sainte. Tout cela ne vous dit rien. Mais la vraie sainteté est du cœur. Que les gens vous voient, qu'ils vous apprécient ou pas, que les gens vous aiment ou pas, qu'ils vous persécutent ou pas, quel que soit ce que les gens font, vous dites que ceci est au Seigneur. Mon cœur, ma vie, tout ce que j'ai, ceci est pour Dieu, et vous avez cette nouvelle justice, dans la sainteté. Alors, ça, c'est la vertu céleste que nous devons avoir et nous devons être fermes en cela. Il y a des gens qui sont fermes et qui tournent en rond, comme les enfants d'Israël, ces 40 ans. Ils voyagent, ils sont, chaque fois, ils voyagent, mais ils ne progressent pas vers la terre promise.
Vous ne voulez pas être femme comme ça, être femme, faire les mêmes choses, faire les mêmes choses, mais aller en rond, tourner en rond, sans progrès. Il y a des gens qui sont fermes, mais ils sont fermes à marquer le temps, à marquer le pas. Ils sont fermes à marquer le pas, ils restent, mais ils restent sur place, ils ne font pas, ils ne vont pas en avant. Alors nous parlons de faire le pas qui vous conduit vers le ciel, le pas qui vous conduit vers le ciel. Que ce que vous voulez, c'est que, alors aujourd'hui, je dois ajouter au progrès vers le ciel, et cette semaine, je dois ajouter au progrès vers le ciel, et cet événement, cette activité, et cette chose que je fais pour le royaume de Dieu, et je suis ferme, je suis constant, je me concentre sur cela, mais cela me fait avancer. Est-ce que je peux vous poser la question? Et puis, tu te poses la question, y a-t-il des choses que je... Y a-t-il des choses que je fasse constamment, sans progrès? Y a-t-il des choses que je fasse à tout moment, mais qui ne me fassent pas aller en avant? Y a-t-il des choses que je fasse? Et cependant, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui est meilleur que des années passées. Alors, examinons ce que nous faisons afin que le progrès que nous faisons, que la sainteté que nous professons puisse nous faire avancer au jour glorieux, avancer vers le ciel. 1 Thessaloniciens 3, verset 12. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. Le verset 13. Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Puisse le Seigneur le faire, l'effectuer dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Alors, troisième point. Les mains consacrées et les cœurs persévérants des serviteurs annonciateurs. Qui sont les serviteurs annonciateurs? Les gens qui annoncent à leur monde que Christ vient. Alors, ils annoncent cela, ils proclament cela, ils informent les autres que Christ revient. Et ils font préparer les autres pour l'avènement du Seigneur. Ésaïe 40, verset 9. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Votre Dieu. Et dis au peuple de Juda jusqu'à ce qu'il n'ait point de doute, qu'il viendra soudainement et viendra pour son peuple. Matthieu 25, verset 6. Comme l'époux tardait, tout s'assoupit et s'endormait. 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux aller à sa rencontre. Ouais. Il veut que des héros, des annonceurs aillent aux communautés pour dire que le Seigneur vient. Nous avons le cœur pur, personnellement, individuellement, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes prêts pour son avènement. Mais vous n'allez pas vouloir aller tout seul, mais vous allez le dire aux autres, comment celui-là peut avoir les mains pures. Tu vas dire aux autres comment il va avoir le cœur pur, afin qu'on soit des mains consacrées et des cœurs persévérants, des serviteurs annonciateurs. Nous allons voir trois sections ici. Numéro 1, nous allons voir les annonceurs consacrés proclamant sérieusement son avènement.
certaine d'eux. Les mains consacrées préparant les sujets pour son avènement soudain. 3. Les cœurs courageux perfectionnant les sujets pour son avènement imminent. Voilà la première partie. Si nous allons voir ici les annonceurs consacrés proclamant sérieusement son avènement certain. Zacharie 9, 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Ton roi vient à toi. À toi, il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne. Le petit d'une ânesse. C'est la prophétie que Christ viendra. Il était venu la première fois pour le salut du monde, pour la rédemption de toute l'humanité. Et comme le temps se rapproche, et Zacharie a dit leur que ton roi vient. C'est ce qu'ils ont fait en Matthieu. Matthieu 21, verset 4. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Verset 5 dit, « Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi. » Ils ont annoncé son premier avènement. Alors, maintenant, on va annoncer son second avènement. Plein de douceur est monté sur un âne, non, le petit d'une ânesse. Deuxième partie. Nous allons voir ici les mains consacrées préparant les sujets pour son avènement soudain. Il va venir, mais il viendra soudainement. Malachie 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Alors, il nous revient de proclamer le second avènement du Seigneur, il viendra soudainement, c'est ce qui est dit là-bas. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Voyons, premier, Thessaloniciens 1. 1 Thessaloniciens 1, nous lisons le verset 5. Ce qui parle de l'avènement du Seigneur dit. Et 2 Thessaloniciens 1, 5. C'est une. Et quand vous le savez, vous savez que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. Verset 2, verset 3. Verset 2. Lorsqu'on dira paix sur le terre, que tout va bien maintenant, que la civilisation augmente, maintenant il y aura la paix partout. Mais quand on dira paix et. Quand on dira paix et sûreté, la destruction viendra sur eux comme une femme dans l'enfantement et ils n'échapperont pas. Ceux qui ne sont pas sauvés, le Seigneur viendra soudainement et ils ne vont pas échapper. Ceux qui suivent leurs mains par la corruption, par la sueur de ce monde, Christ revient. Et lorsque Christ viendra, peut-être ils vont dire que oui, j'apprends que Christ viendra. C'est ainsi qu'on le dit et que je vais réparer les choses, je vais faire les choses, mais je vais toujours faire ceci et faire cela. Et continue de suer leurs mains. Soudainement, le Seigneur viendra. C'est 1 Thessaloniciens 5, versets 1 et 2. C'est ce que le Seigneur nous dit en Marc 13. Marc 13, verset 35.
Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. 36 dit, craignez qu'il ne vous trouve endormi. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. À son arrivée soudaine, 37, ce que je le dis à tous, veillez. Luc 21, 34, ici il nous rappelle que prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne suivre l'improviste. Faut pas jeter votre cœur dans la mer de ce monde. Faut pas détruire votre futur qui est au ciel, parce que vous êtes totalement vendu aux choses de ce monde. Alors vous ne voulez pas détacher des choses de ce monde et que le jour du Seigneur ne vienne vous prendre à l'improviste. Avec ce jour ne vienne pas souvent à l'improviste. Et c'est dit au verset 35, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Le Seigneur nous dit au verset 36, veillez donc, il vient, il va venir soudainement, veillez, le Seigneur viendra soudainement, veillez donc, il viendra à l'improviste, et c'est un avènement est sûr, certain, il viendra. Comme c'était au temps de Noé, au temps de Lot, il mangeait, buvait, et mariait, se mariait, plantait, faisait tout, jusqu'à ce que le jour-là vienne sur eux à l'improviste. Et ils n'ont pas échappé au jugement de Dieu. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Nous allons à la troisième partie ici. Les cœurs courageux perfectionnant les sujets pour son avènement imminent. Les cœurs courageux préparant les saints, perfectionnant les saints et poursuivant les saints et les ravissant des choses du monde qui vont essayer d'assombrir leur vision et les aveugler. Comme on essaie de faire cela en tant qu'héros du Seigneur, en tant que messager du Seigneur, parce que nous devons être courageux, parce que Satan peut se tenir sur votre chemin. Tu es sauvé. Va-t'en. Pourquoi toi tu veux prendre ces gens? Parce que Satan pourrait empêcher, il pourrait se tenir devant toi. Sois courageux. Pourquoi? Parce que les gens que tu veux aider, les gens que tu veux faire sortir de ces choses du monde, ces gens-là seront si cloués, si collés à ces choses. Les gens que vous voulez même aider, ils vont même vous haïr. Vous devez être courageux. Que quel que soit ce que vous me faites, quel que soit ce que tu me dis, quelle que soit tes réactions, je sais mon but et mon objectif. Je dois te préparer pour l'avènement du Seigneur. Si vous voyez les ronces, les épines sur la voie, les défis sur la voie, si vous voyez les dérangements sur la voie, vous pourrez dire, mais quel est mon problème? Pourquoi je suis très empressé à faire cette chose? Mais ils ont la Bible, ils peuvent lire la Bible, ils peuvent s'apprêter eux-mêmes. Après tout, plus je cours après eux, plus je les poursuis et les fais sortir de leur léthargie, pour les amener à être prêts pour l'avènement du Seigneur, plus ils jettent des choses contre moi, et puis vous affaiblissez, vos mains sont basses, vous ne pouvez plus, vous pouvez faire quelque chose, mais vous ne voulez rien faire encore. C'est pourquoi il faut le courage pour aller là-bas et dire aux gens qui sont ignorants de l'avènement soudain du Seigneur, afin qu'eux aussi puissent répondre à la question que
qui demeurera à la montagne du Seigneur et à son lieu saint, afin qu'il soit sauvé, et nous qui avons les cœurs purs et les mains innocentes et le cœur pur. On va à Malachie 4, verset 5. Voici, je vous enverrai, il est le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Si se dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Colossiens, chapitre 1. Colossiens 1, 28. Celui que nous annonçons, exhortant tout homme. Alors il faut le courage. Le père est sorti là, une fille, la fille, la fille est sur les genoux d'un pécheur. Le père a dit, que fais-tu là? Que fais-tu là-bas? Que fais-tu là-bas? Et la fille, au lieu d'écouter son père, elle dit que mais pourquoi tu m'avertis? Toi, pourquoi tu es ici? Moi, j'aime ce jeune homme. J'aime ce jeune homme. Et le père est allé pour retirer sa fille. Et la fille commence à se battre avec son papa qui veut la secourir de la main d'une vie sale, pourrie. On nous fait cela. On essaie d'aller les secourir, détourner leur cœur de la pollution, de leur péché, de leur dépravation. Alors, nous voulons les perfectionner pour l'avènement du Seigneur. Et au lieu de se battre avec leur chair, au lieu de se battre avec leur mal, ils luttent contre nous. Il faut le courage pour dire que je vais te faire sortir de cela. Je vais te faire amener au calvaire. Tout ce que tu me fais, je vais t'amener au sang purificateur de l'agneau. Au sang purificateur de l'agneau. Nous devons avoir le courage. Nous travaillons pour l'éternité. Nous devons avoir la valeur pour que les gens soient prêts et qu'ils viennent au Seigneur. Paul a dit que c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et intrusant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Puisse le Seigneur nous perfectionner tous. Puisse le Seigneur me perfectionner. Puisse le Seigneur vous perfectionner et qu'il nous prépare pour l'avènement du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Il nous a envoyé sa parole, il nous a assuré pour aller au ciel, pour être prêts quand le Seigneur vient. Nous devons avoir les mains innocentes, nous devons nous examiner. Examinez-vous, mes mains sont-elles pures? Ou bien je cache mes mains pour contrôler des événements mauvais, iniques, pécheurs. Est-ce que je suis totalement pur au dedans et au dehors? Mon cœur est-il pur? Est-ce que la purification, la sanctification, la sainteté de mon cœur, est-ce que c'est prêt? Est-ce que je suis prêt pour l'avènement du Seigneur? Est-ce que je suis préparé pour l'avènement du Seigneur? Je prie, comme vous êtes prêts maintenant, que vous continuez toujours d'être prêts au nom de Jésus. Le ciel est là, rien ne l'ôtera de votre cœur, rien ne l'ôtera de votre main. Pendant que vous faites cela pour vous, il faut tout faire. Avant de dormir la nuit, vous examinez, est-ce que je suis prêt? Parce que la nuit ou au son du coq, avant de dormir, il faut vous examiner. Mais qu'est-ce que j'ai fait au cours de la journée qui m'a dérangé au cours de la journée, afin que quand le Seigneur vient, je puisse aller au ciel et les gens que vous essayez d'amener au calvaire, et vous faites tout pour que ces gens-là soient convaincus, soient convertis et consacrés au Seigneur, le Seigneur va continuer de vous fortifier. Vous ne serez pas découragés. Vous n'allez pas faire demi-tour. Les convertis, les gens derrière lesquels vous courez, vous et eux, vous irez au ciel ensemble au nom de Jésus-Christ.
Levons-nous maintenant et parlons au Seigneur. Le Seigneur nous a parlé, nous devons répondre. Nous devons répondre au Seigneur. Nous voulons prier que notre cœur soit purifié et que nous soyons prêts pour l'avènement du Seigneur au nom de Jésus.